ont bien souvent vu Guy Berthaud parmi nous, entre nous ou devant nous. Vous savez que c'est un des grands de la sédimentologie actuelle et que les travaux qu'il a entrepris il y a déjà un certain temps, non seulement nous ont conquis, nous, depuis longtemps, depuis un certain film que nous avions réalisé avec le père de notre conférencier d'aujourd'hui, mais aussi maintenant qu'en Russie et puis en Amérique, il est quand même reconnu. Guy Berthaud n'est pas parmi nous, mais il nous délègue quelqu'un qui travaille avec lui depuis 25 ans, m'avez-vous dit, hein? Et son père, Peter Wilters, était aussi un de nos anciens amis fidèles. Donc, vous voyez que nous changeons de secteur, d'une conférence à l'autre, pour balayer un large ambitus, comme disent les musiciens. Et tout cela doit converger vers ce même but que nous recherchons, c'est d'étudier, de voir l'évidence de la véracité de l'écriture. Donc, la voici, présentée par notre ami Jan Wilders, dans le domaine des pierres, du roc. Et sur ce roc, nous bâtirez votre conférence. Je pense. Est-ce que ça va? Il faut peut-être qu'il l'allume là-bas. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour à tous. Donc, ça me fait très plaisir aujourd'hui de représenter Guy Berthaud. Alors, ça m'a évidemment un petit peu surpris parce que je suis plutôt dans l'industrie pharmaceutique, je suis dans d'autres domaines, mais j'accompagne Guy Berthaud depuis effectivement à peu près 25 ans. Et tout le sujet de l'évolution est un sujet dans lequel je suis tombé quand j'étais en fait très jeune. C'était en 1977. Mais ça permet effectivement de grandir avec et d'avoir le recul nécessaire. Alors, voilà. Alors, il fallait bien commencer par une photo de Guy, mais que je présente aussi avec mon père, parce que c'est à ce moment-là que je l'ai connu, donc c'était à la fin des années 80, et c'était lors du lancement du film « Évolution, science ou croyance ». Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que le T-shirt, là, est extraordinaire, parce qu'il y a bien marqué « L'évolution, science ou croyance », qui est le titre du documentaire que l'on avait fait à l'époque. Et c'était un documentaire... alors, Guy, il faut quand même que je... Il aurait beaucoup aimé être là. Il est né en 1925, donc je vous laisse faire le calcul, et j'ai exactement la moitié de son âge. Aujourd'hui, il ne peut pas être là parce qu'il a d'autres obligations. Il est dans un week-end prolongé des anciens de Polytechnique, en croisière sur la Seine. Donc c'est pour ça qu'il m'a demandé d'être là, parce qu'au début de l'année, je l'ai accompagné en Chine pour la présentation de ses derniers travaux. Alors voilà. Alors revenons donc en arrière, 1987 à peu près, le film « Évolution, science ou croyance », c'est un film qui avait comme intérêt de mettre ensemble cinq spécialistes, cinq savants de domaines très différents, que ce soit la physique, que ce soit donc la sédimentologie, bien sûr, la génétique, etc. Et ce film a été reconnu, a d'ailleurs eu un diplôme que j'ai retrouvé, c'était un fax que j'ai eu la chance de scanner à l'instant, qui était en train de disparaître, mais effectivement un diplôme du documentaire catholique qui a été donné en Pologne à ce moment-là. Mais les travaux de Guy Berthaud devaient représenter à peu près la moitié du film, parce que c'était ce qu'il y avait comme recherche le plus original. Et Guy aime à nous rappeler que en fait, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé à faire de la sédimentologie? Ce n'était pas forcément ce qu'il faisait d'un point de vue professionnel, mais c'est parce qu'il avait un père spirituel, l'abbé Prévost, qui lui a dit « Je suis inquiet
parce que on voit monter Teilhard de Chardin, le taillardisme, il est en train de remettre en cause toute la tradition catholique, toute la tradition de l'Église, et il repose ça. Il est un géologue, un paléontologue, et il repose toute son explication là-dessus. Donc vous, Guy, qui êtes un savant, creusez et dites-nous ce qu'il en est. Et donc, en fait, lorsqu'on dit creuser, c'est arrivé à la sédimentologie. Parce qu'en tant que sédimentologue, en tant que géologue, tout ce qui est âge ancien, tout ce qui est en fait datation de la Terre, et c'est ce que l'on verra, repose effectivement sur ces roches. Voilà. Et alors, venir parler de roches n'est jamais très passionnant. La géologie à l'école n'a jamais été le point le plus fort où il y a eu le plus d'enthousiasme. Même les maths ont plus d'enthousiasme que la géologie. Mais c'est néanmoins quelque chose d'assez fondamental et en fait de très intéressant lorsqu'on arrive à aller au-delà du simple aspect de roche. Mais avant d'aller plus loin, il y a un point sur lequel j'ai envie d'insister. Guiberto n'est pas un créationniste. Alors pourquoi je le dis? C'est parce que le créationnisme est un mot qui se traduit mal entre le français et l'anglais. Il n'y a pas de tradition de créationniste en France, vraiment. Quelqu'un qui dit « je suis créationniste », en fait, de bonne foi, est en train de dire « mais en fait, je crois à la Bible ». Je crois éventuellement que la Terre a été créée il n'y a pas très longtemps, en 6 jours. Mais ce n'est pas ce que veut dire être créationniste lorsqu'on le dit en anglais. Et quelqu'un qui est créationniste, en fait, a un raisonnement qui est particulier. C'est celui-là. Il part de la Bible, et c'est la Bible qui lui permet de définir la science. Alors, Dominique en a parlé ce matin en disant, oui, il faut avoir un modèle que l'on peut prendre pour justement ordonnancer ce que l'on trouve. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Un créationniste dit, il y a marqué dans la Bible, qu'il lit de manière littérale, loin des traductions orales d'ailleurs, il dit, il y a marqué 6 jours, eh ben, je vais trouver 6 jours. Il y a marqué le soleil s'est arrêté, je vais trouver le soleil s'est arrêté. Il y a marqué X, je vais le trouver. Et en fait, c'est un modèle qui est très proche du modèle évolutionniste, qui est en fait un peu la même chose. Je pars de ma conclusion, et ensuite, je vais trouver dans la science ce qui supporte, ce qui va soutenir ma conclusion. Et en fait, on y a fait référence très très rapidement dans la conférence précédente, il s'agit en fait de la méthode hypothético-déductive. Donc, dans cette méthode, on part d'une hypothèse et ensuite on dit « Ah ben, je vais essayer de définir des expériences pour en fait valider mon hypothèse. » Alors, normalement, ce serait pour valider ou invalider. Et c'est là où on commence à avoir éventuellement des risques avec la méthode hypothético-déductive qui peut être très valable si elle est bien utilisée, mais qui peut aussi être assez dangereuse si elle est mal utilisée. Donc, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne avec le « si quelque chose, et ça, alors j'arrive à telle conclusion ». Alors, on va prendre un exemple trivial, au moins pour que je ne me perde pas dans cet exemple. Vous vous dites, les enfants ont pris le chocolat dans le frigo. Voilà, ça c'est votre hypothèse. Les enfants ont pris le chocolat. Alors, vous dites, ça c'est mon hypothèse. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, si les enfants ont pris le chocolat, et j'ouvre le frigo et que je ne trouve pas de chocolat, en fait, alors ils l'ont pris. Alors, on ouvre le frigo, il n'y a pas de chocolat. Ben, les enfants l'ont pris. Et, en fait, on peut avoir une autre hypothèse avec exactement la même expérience et arriver à autre chose. Madame n'a pas acheté le chocolat. Ah ben, je fais la même chose et je peux arriver et je peux prouver. Prouver. Et c'est ça la faiblesse du mot prouver.
Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde certaines choses, on dit voilà une autre preuve pour l'évolution. Non, on a fait une expérience que l'on a faite pour justement donner pour pouvoir donner cette crédibilité à cette hypothèse. Et donc, le créationniste a tendance à... En fait, on va commencer avec l'évolutionniste, on va être gentil. Non, l'évolutionniste a tendance à faire ça, et il dit, voilà, ben, en fait, il y a tout ça qui va effectivement aider, ou tout au moins donner la crédibilité à ce que je fais. Mais dans la conférence suivante, vous allez voir qu'on va vous parler d'une présentation qui a été faite à Singapour. Et donc, Thomas va vous parler de ça. Mais elle a été refusée parce qu'on a dit « Vos résultats avec vos résultats montrent que les autres dinosaures auraient 25 000 ou 50 000 ans. Or, tout le monde sait que c'est faux. Donc, vous avez fait une erreur de mesure. » Et donc, en fait, on part d'une méthode hypothético-déductive qui, théoriquement, devrait être bien construite, et on se retrouve, en fait, à rejeter tout ce qui ne rentre pas dans l'hypothèse. Donc ça, c'est déjà la faiblesse des évolutionnistes. Et les créationnistes, en fait, ont le même biais. Le mot créationniste, je ne dis pas ceux qui croient dans la Bible ou d'autres choses, mais le mot créationniste, ils ont ce même biais, et en plus, ils partent de la Bible. Alors, ils sont doublement coupables, quelque part. Coupables parce qu'ils font comme les autres, et coupables parce que leur méthode n'est pas reconnue. Et c'est pour ça que Guy ne se présente pas en tant que créationniste, parce qu'il y a une connotation qui est très forte. Et j'irai plus loin. Mon père interdit qu'il se présente comme créationniste, parce que, en tant que Britannique, moi je suis un peu les deux, en tant que Britannique, il sait toute la connotation de ce mot-là. Voilà. Alors, quelle est la méthode scientifique de Guy? Il a des expériences ou des observations, et il part de là pour dire qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion. Et ensuite, il se pose la question, comment est-ce que je peux les ordonner pour arriver à quelque chose? C'est-à-dire, ce n'est pas que des faits qui s'empilent. Non, c'est effectivement des faits qui ensuite vont rentrer dans un modèle, mais il part de l'observation, il part de l'expérience. Et là, ensuite, il ouvre la possibilité à là où ça le mène. Donc, peut-être une approche, une plus grande humilité face à la science, ce qui est important. Donc, on en revient à Guy. Donc, il s'est attaché à voir la science des roches sédimentaires et voir un peu ce qu'il était, ce qu'il y avait. Alors, il a commencé par se poser quelles sont les hypothèses qui sont derrière, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut remonter, en fait, relativement loin. C'était en 1669 que Nicolas Steno, a été un des premiers à formuler des principes de géologie en disant, voilà, vous avez les strates, celles que l'on a vues là. Donc, les strates, c'est quoi? C'est ces grandes lignes que l'on voit et que l'on peut voir dans beaucoup de falaises. Et il s'est dit, en regardant ces strates, je vais formuler une hypothèse. Alors, il faut savoir que c'était assez amusant parce que il a formé une hypothèse à l'époque, d'après ce que j'ai compris, les roches étaient considérées comme des roches. Je veux dire, ça ne bouge pas, c'est dur, c'est du dur. Et ça a été le premier à formuler l'hypothèse qu'éventuellement, elles étaient en forme liquide avant de se former. Donc ça, c'était intéressant. Mais il a émis comme principe de dire, chacune de ces lignes s'est empilée les unes après les autres. Et donc, celle du bas, un peu comme une pile d'assiettes, en fait. Celle du bas était posée avant celle d'au-dessus. Et au-dessus, voilà. Si on regarde, comment est-ce que vous avez posé ça? J'ai commencé par celle du bas. Elle est un peu plus ancienne, si on veut, sur la table, que celle au-dessus, qui est un petit peu plus ancienne que celle au-dessus. Mais ça, c'était une hypothèse. Ensuite, il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites pour confirmer l'hypothèse. Mais il n'y a pas l'hypothèse qui a été vraiment mise en cause.
Et ensuite, donc toujours là au 19e siècle, il y avait Charles Lyell qui était le fondateur de la géologie actuelle, qui est parti sur le principe en disant ce que l'on voit aujourd'hui, c'est l'idée d'uniformitarisme, d'actualisme, ce que l'on voit aujourd'hui explique le passé. Alors, la grande question, c'est effectivement comment se sont formées ces strates. Voilà, on a ça, comment ça s'est formé. Et donc, Guy a commencé dans le laboratoire en disant ben, ce que je vais faire, je vais prendre je vais prendre, je crois que c'est, ah tiens, c'est une petite vidéo. Alors voilà, alors il a mis du sable de tailles différentes selon selon la taille des grains. Il l'a fait tomber tout simplement dans un courant et il a pu constater qu'il y avait, donc comme vous pouvez voir là, des strates, des microstrates dans ce cas-là, qui se sont formées. Et donc il n'y avait pas du tout une question de temps, c'était une question de granuloclassement. On était face à de la physique de particules dans un liquide. Et donc voilà aussi un autre exemple où en fait le granuloclassement s'est fait à cause de cause de lois de physique. Le temps n'était pas une notion qui rentrait là-dedans. Alors, une expérience relativement simple en soi, mais qui a donné lieu à une publication en 1986, à l'Académie des sciences en France. Qui montrait que ce qui était derrière les strates n'était pas forcément le temps, mais c'était voilà, d'autres éléments. Mais ensuite, il a allé plus loin parce qu'il a été interloqué, ou tout au moins surpris, par les inondations de Bijou Creek. Donc c'était avant, c'était en 1975, où en quelques heures, il y a eu des inondations importantes. Et il y a eu des formations de roches qui se sont déposées avec des strates. Et donc, ces strates étaient faites, et tout ça ne suivait pas ce qu'avait postulé, en fait, Sténon, Nicolas Sténon, et qui est encore enseigné aujourd'hui dans les facs. Donc, il s'est dit, ben, maintenant, on va peut-être pouvoir aller plus loin. Et en allant plus loin, il est allé aux États-Unis, il a travaillé avec un sédimentologue de renom là-bas, qui est Pierre Julien, et il a fait des expériences, cette fois-ci, dans des vrais bacs avec du vrai courant, etc., pour voir un peu ce qui se passe. Donc, ça, c'est quelques petits extraits, donc je vais commenter. Voilà. Où, en fait, il y a des... donc des sédiments de tailles différentes qui sont mélangés. Et là, par simple granuloclassement, en fait, avec des expériences, on voit qu'ils vont se séparer. Mais voilà l'explication. On va s'arrêter un petit instant sur cette explication. Lorsqu'il y a un courant, donc il faut imaginer le courant là qui aille de gauche à droite. Bref, je ne sais pas comment vous êtes assis, ou de gauche à droite. C'est selon la taille... des grains, ils vont se mettre à différents endroits. S'il n'y a pas assez de courant, ils vont s'arrêter. S'il y en a plus, ils vont continuer. Ceux qui sont tombés en bas vont être bloqués par ceux au-dessus. Il va y avoir des turbulences qui vont être faites entre les courants. Bref, en fait, c'est le courant qui va expliquer comment se forment les strates. Alors, donc là, on explique effectivement, on voit qu'elles se forment non pas du bas vers le haut, mais de gauche à droite. Et ça, c'était en fait des films de l'expérience qu'il a fait au Colorado. Et donc, on voit alors là, c'est dans un courant continu. Donc, il y a eu ensuite des expériences avec d'autres types de courants. Et ensuite, lorsqu'on a enlevé l'eau, il y avait cette stratification. Alors là, on voit très clairement, il y avait une strate blanche ici. Et ce qui est assez remarquable... C'est lorsqu'effectivement, donc ça c'est Pierre Julien, lorsqu'effectivement on coupe à travers les sédiments, donc qui ne sont pas encore là durcis et qui ne sont pas devenus des roches, mais on voit très clairement
que les strates se sont formées. Et ça, ça a été quelque chose qui n'est pas de la physique révolutionnaire en soi, mais qui a été pour la première fois avec Guy repris et mis comme explication pour comment se forment les strates. Alors, pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà vu plusieurs fois si Guy est venu, mais je pensais que ça pouvait être intéressant de pouvoir le rappeler. Alors, en fait, ce qu'il a montré expérimentalement, ah oui, ça continue, excusez-moi. Oui, ça c'est aussi intéressant, dans la mesure où là, on se retrouve. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les fossiles aussi, l'idée de base, c'était, ben, si y a un fossile qui est dans la strate d'en bas, il va être plus vieux que celui qui est en haut, tout simplement. Mais là, en fait, les fossiles étaient dans un système écologique qui était le leur, quand ils ont été enterrés, ou plus que ça. Et c'est ça où, dans la présentation qu'il a fait en Chine, qui était intéressant, la raison pour laquelle on est des courants qui sont importants, ça serait dû au basculement des pôles et à l'orogenèse, c'est-à-dire à la formation de montagnes. Et ces déplacements, ces formations de montagnes relativement rapides auraient créé des courants très importants. Et on verra un petit peu plus loin. Et donc, ont aussi amené tous les écosystèmes qui étaient dans le chemin de ce courant. Donc, en fait, il y a eu des apports de ces différents fossiles. Et donc, ici, mais de manière relativement simple, on voit que là, bon, ils ont le même âge. Ils ont le même âge. Ils ont été plus ou moins enterrés en même temps. Et quand on voit la continuation, on peut très bien imaginer... Alors, la différence de temps entre les deux peut être de quelques minutes, donc c'est pas non plus énorme. Mais néanmoins, celui-là a été enterré après celui-là. Donc, en fait, ça nous dit absolument rien dans quelle strate on retrouve les fossiles. Et donc, non, excusez-moi, c'est là-dessus que j'aurais dû... Voilà. Et donc, en fait, en toute simplicité, les strates se sont formées simultanément. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que avant d'être des roches, avant d'être des strates, c'était pas des assiettes. C'est pas comme des assiettes que l'on pose, parce que c'était fluide. Et donc, ce qui est important, c'est l'importance des courants. Donc, on a parlé ce matin des courants marins, qui peuvent être très importants, mais on a des courants, donc des courants turbulents ou autres, il y a tout un type de courants que l'on peut retrouver, et qui vont expliquer comment les strates peuvent se former. Parce qu'il ne faut pas oublier que les roches étaient à l'état liquide. Et donc là, lorsqu'on voit une embouchure de fleuve, tout ça sont des sédiments qui deviendront roches dans certaines conditions. Et donc, les strates, ce ne sont pas des assiettes, parce qu'elles n'existent pas telles quelles et on ne les pose pas. Non. Les strates se sont organisées selon des règles, disons les lois de la physique, telles qu'on parlait ce matin. On peut croire aux lois de la physique parce que c'est ce que l'on constate. Un autre exemple sur lequel Guy a insisté. Donc tout ça a donné lieu à plusieurs publications. Il y a eu une publication au Bulletin géologique de France en 93, et ensuite des publications dans The Journal of Mineral and Lithological Resources en 2002 et 2004. Mais il y a Guy aussi qui dit qu'il y a certains autres éléments qui viennent corroborer un peu ces expériences de laboratoire et ce que l'on constate. Ce que dit la sédimentologie classique, c'est vous avez ces strates. Alors, il faut savoir qu'une strate, une bonne grosse strate qu'on va trouver dans le Grand Canyon, c'est un type de roche. Et donc, au début du Cambrien, on postule que pendant 20 millions d'années, il y a eu du grès
et que du grès qui s'est déposé. C'est quelque chose qu'on n'a jamais constaté nulle part. Lorsqu'on a des sédiments qui arrivent, c'est mélangé, il y a des choses. Mais ce n'est pas que du grès. Et donc, déjà, ce concept-là de dire « il n'y a que du grès pendant 20 millions d'années », ne marche pas dans l'actualisme, ne marche même pas dans le bon sens. Mais souvent est perdu dans la complexité de l'échelle géologique des temps. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Un autre point qui est intéressant, c'est que les ingénieurs, face au barrage, le problème des sédiments, ils l'ont régulièrement. Ça ne dure pas des millions d'années avant que leur barrage se remplisse. Au bout de 100 ans, si on ne s'est pas occupé de son barrage, il est mort. Et donc, dans la vraie vie, je dirais, la vie hors du débat académique de qui a raison, qui a tort, dans la vie de l'ingénieur, les sédiments, c'est une réalité et ça se passe très vite. Et ça peut se passer encore plus vite si on a des orages ou des choses comme ça. Alors, en fait, Guy, par ses expériences qui étaient assez audacieuses, parce que remettre en cause 300-400 ans de sagesse populaire, ou tout au moins de sagesse académique, il faut être courageux. Avec néanmoins des expériences simples, mais des expériences reconnues internationalement, il a publié avec tous les comités de lecture qu'il faut, il a donc fait quelque chose qui est assez extraordinaire. Il s'est occupé de l'illusion du temps. Parce que avec les roches, on disait, voilà, il y a des strates, ça a pris des millions d'années, venez au Grand Canyon, on va vous expliquer, alors il y a 300 millions d'années ceci, etc., etc. Et c'était notre horloge, c'était notre façon de pouvoir de construire toute notre construction, notre en tant que société, toute notre construction de l'échelle de temps, de l'évolution, de ça. Qu'est-ce qu'on avait comme critère, qu'est-ce qu'on avait comme mesure? C'était les roches. Et donc, cette illusion, il l'a terminée. Il n'y avait plus de temps. Ce n'était pas une question de est-ce que les roches ont pris 3 semaines ou 300 millions d'années. Ce n'est pas un sujet. Le temps n'est pas un sujet. Et en fait, là où on pensait qu'on avait une montre, qu'on avait une façon de mesurer le temps, on ne l'a plus. Et ça, c'était la part fondamentale du travail de Guy. Et vous voyez, on n'est pas en train de parler d'évolution, on n'est pas en train de parler de Bible, on n'est pas en train de... Non, on est dans la science. Mais on pensait avoir une montre, on ne l'a plus. Et donc, qu'est-ce que ça comme implication? Comme implication, on ne peut plus construire ça. Parce qu'on n'a plus rien pour pouvoir le faire. Et ensuite, tout ce qui est le lien entre les organismes, même au niveau génétique, sur quoi est-ce qu'on construit on arrive en fait à calibrer tous les soi-disant mutations génétiques ou changements génétiques entre les choses. On les calibrait sur les roches. Et donc, ça disparaît aussi. Et même lorsqu'on va dans la cosmologie, l'univers, alors avant le Big Bang, il y a 15 milliards d'années, la Terre 5 milliards, etc., etc. Mais on a calibré ça sur les roches. Et donc, en fait, ça part. Et donc, sans indication de temps, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas une montre, on est d'accord. On a un appareil photo. Bon, il va falloir s'y faire. On n'a plus une montre, on a un appareil photo. Alors, pourquoi un appareil photo? C'est parce que on peut arrêter le temps, on fige. Et les roches, c'est comme figer ce qui s'est passé. Parce que en regardant les roches, on peut dire... Là, par exemple, qu'est-ce que je peux dire rien qu'avec cette feuille en bas qui a été figée dans le temps, en fait, figée dans la glace, là, pour l'image, pour l'analogie, c'était probablement l'automne, vu la couleur de la feuille, quand elle a été figée. Et donc, avec les roches, on peut maintenant commencer à se poser des questions. Quelle était la vitesse du courant? Alors là, on voit plein de microstrates, tac, 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 tac.
Alors, ça, ensuite, ça a été... Ensuite, où, pendant que ça a été formé, ça a été creusé. Je veux dire, là, il n'y a plus de ensuite, il n'y a plus d'avant, plus d'après. Il y a qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, la question qui se pose, c'est, il y avait quoi comme courant? Ou bien, on peut se poser comme question, quel était le sens du courant? Et donc, en regardant les roches, c'est comme en regardant un appareil photo, une photo d'un appareil photo, on peut se dire, tiens, qui était là? Qui était au mariage? Ah oui, tiens, je repère les gens qui y étaient. C'est extraordinaire. Bon. Et c'est ça. On a quelque chose qui fige. On peut se poser la question, voilà. Alors, il y a ce type de roche. À quelle profondeur ça s'est construit? Comment ça s'est construit? On peut aussi se poser des questions. Ils sont venus d'où, ces sédiments? Parce que là, effectivement, on se retrouve. Hein, on arrive en Angleterre, mais c'est toujours extraordinaire, d'un point de vue sédimentaire, d'arriver en Angleterre. La perfide Albion, disent certains. Mais bon. Ou bien, voilà, là, c'est quelque chose que l'on voit, où on a des sédiments en fait très grossiers, où on voit les pierres, et ça devait être turbulent à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, la question, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment est-ce qu'on a figé dans le temps la chose? Alors, il faut savoir que Guy a aussi inspiré un certain nombre de personnes, dont Alexandre Lalomov. Alexandre Lalomov est un chercheur russe. Et il a étudié la péninsule de Crimée. Et il a vu ça, et il a dit, si c'est une photo, ben j'ai envie de pouvoir développer cette photo. J'ai envie de pouvoir voir ce qu'il y a dans cette photo. Et il s'est rendu compte qu'il y avait certaines roches de taille quand même importante. Alors, avec une roche de cette taille-là, qu'est-ce qu'il peut avoir comme information? Eh bien, il fallait qu'il y ait un courant important. Et non seulement il fallait qu'il y ait un courant important, mais on a toutes les équations nécessaires pour calculer la force minimum du courant nécessaire pour bouger une roche de cette taille-là. Et en plus, cette roche a des caractéristiques suffisantes pour savoir d'où elle vient. Et donc, il a dit qu'il y avait un courant minimum de telle importance et qui venait de 400 km de là. Et donc, lorsqu'on a la possibilité de regarder les roches, de les lire, de les voir comme une photo, on peut effectivement commencer à savoir quel était le type de courant. Et là, évidemment, il y avait des courants catastrophiques. On n'est pas dans la petite rivière. On n'est même pas dans la grosse rivière en crue. On est au-delà du tsunami. On est dans des courants qui sont très importants. Et donc, en voyant ça, ou bien en voyant le Grand Canyon, ou bien même quand vous êtes en avion et vous regardez par l'hublot, et que vous voyez les collines qui sont formées, si vous réfléchissez en grands courants qui sont possibles, si vous regardez la photo, vous dites, la façon... On peut imaginer l'eau qui part de ces collines lorsqu'on les voit par-dessus. On peut imaginer que c'est comme quand on fait tomber du sable et on met un seau d'eau au-dessus. Ça part et ça laisse des genres de collines. Ben en fait, c'est ça que ça nous donne comme information. Et Lalomov, il a donc publié là-dedans, avec donc des sédiments qui viennent à plus de 900 km, plus de 9 mètres par seconde, ça fait quand même très très rapide. Et aussi, cette photo, avec ce genre de force, ce genre de courant, ce qu'il a étudié, pouvait être formé en quelques semaines. Donc, ce n'est pas une question de temps. Il se trouve que juste, de manière anecdotique, c'est quelques semaines. Mais si on s'arrête et on regarde la sédimentologie officielle, c'est plusieurs millions d'années. Et donc, il dit, voilà, c'est 0,05% du temps prédit. Mais ce n'est pas une question de temps, en fait. Parce qu'on n'a plus de montre. On a un appareil photo, donc il faut en profiter de l'appareil photo. Alors, voilà. Alors... Donc, continuer à publier. Donc, j'ai dit qu'on allait en Chine et on a donc c'est toujours la suite où maintenant il se pose comme question d'où viennent ces courants, d'où viennent ces mouvements. Et il y a un certain nombre de possibilités comme l'orogenèse, donc la formation des montagnes qui peuvent expliquer. Donc, en fait, Guy arrive à la situation où il dit maintenant j'ai un modèle qui est complet.
Non seulement j'ai un modèle de formation des roches, et maintenant je peux expliquer pourquoi il y a eu des courants catastrophiques. Et en disant qu'il y a eu des courants catastrophiques, il n'est pas en train de parler d'un soi-disant déluge ou d'un vrai déluge. Je ne rentre pas dans le débat dans ce cas-là, mais il est en train de dire s'il y a de telles formations, s'il y a de telles roches qui sont de telle taille, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de catastrophique. Ouais. Et on l'a vu dans le tsunami, dans les deux tsunamis qu'on a eu récemment. Il y a des mouvements, mais c'était sans doute beaucoup plus fort que ces tsunamis-là. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous invite évidemment à voir le site sedimentologie.fr où il y a effectivement tous les papiers qui sont publiés, donc les travaux de Guy, les travaux d'Alexandre Lalomov. C'est en partie en anglais, je pense, oui, en cherchant bien. Mais les papiers sont donc, les publications sont disponibles pour qui veut. Et vous trouverez la dernière publication qu'il y a eu en Chine, heureusement, qui est en anglais. Et donc, je vais déjà arriver à une conclusion parce que les idées forces sont là. Les idées sont les idées de la méthode scientifique qu'a eu Guy. Il est parti d'observations et d'expériences. Il a eu courage, en fait, de se reposer les questions fondamentales et pas juste d'accepter le dogme. Et il est arrivé à des conclusions en disant « Non, on ne peut pas dire ça. » En fait, ce qu'on peut dire, c'est appareil photo, mais on ne peut pas dire ça. Il n'y a rien dans la sédimentologie qui nous permette de dire ça. Si vous le trouvez autre part, très bien. Mais vu que tout a été construit sur ce temps-là et qu'on l'a plus, en fait, ce n'est plus disponible. Et donc, le socle même de la théorie de l'évolution est invalidé. Voilà. Et donc, est-ce qu'il faut juste se réjouir pour dire on a eu raison. On a eu raison avant les autres. Bon, ça pourrait être sympa, mais c'est pas ça. Je pense que ça permet... En fait, on a vu ici qu'au début, il y avait, à cause de la question donc, du père spirituel de Guy, il y a eu l'ouverture. Donc, en fait, il est parti de la Bible, mais avec une méthode scientifique reconnue académiquement, il est arrivé, ça lui a permis d'explorer des choses qui n'étaient pas ouvertes, si on veut. Mais aussi, ça lui a permis de revenir à la Bible. Parce que, en conclusion, par la fin, il n'y a pas de contradiction entre la Bible et la géologie. Et c'est normal, comme disait Dominique ce matin, on ne peut pas avoir de contradiction entre la vérité et la vérité. Je veux dire, on est dans le même univers. Il n'y a pas un univers religieux parallèle à. On est un. Et donc, il y a la vérité. Il y a aussi la possibilité, et c'est ça moi qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de revenir à une science libre de préjugés évolutionnistes. Parce que l'évolution nous a bloqués au niveau donc, de la géologie. On ne peut même pas regarder une roche de manière vraie en regardant quelles étaient les conditions physiques derrière. Mais aussi d'un point de vue biologie, donc, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que dans le laboratoire pharmaceutique, merci, dans lequel je travaille. On travaille beaucoup sur le système immunitaire, aussi sur tout ce qui est gènes. Mais lorsque on part d'un préjugé évolutionniste, où on dit qu'il y a 97% des gènes qui ne servent à rien parce que c'est un reste de l'évolution, de l'ADN poubelle, on passe à côté de beaucoup de choses, beaucoup de vérités, beaucoup de possibilités. Alors que quand on arrive à avoir un regard où on dit « peut-être que je ne comprends pas aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison », et ça permet en fait de s'émerveiller face à la biologie, ça permet de s'émerveiller à nouveau, parce que quand on dit qu'il n'y a pas de but dans la science, il n'y a pas de téléologie, d'objectif dans la science, on passe à côté de beaucoup de choses. Parce que, en toute objectivité, le monde a été fait pour l'homme, comme a été rappelé ce matin. Et donc, s'il a été fait pour, il y a eu un objectif,
Il y a eu un objectif aussi par rapport aux animaux, tout ça. Et donc, si en fait on refuse le fait qu'il y ait un objectif dans la création, on passe à côté d'énormément de choses. Et c'est ce que fait la science aujourd'hui. Donc, de revenir à des bases où on peut se rendre libre des préjugés évolutionnistes va en fait libérer la science et va nous permettre à nouveau de nous émerveiller face à la création telle qu'elle est. Et donc, voilà. Donc, en conclusion, ça nous permet de revenir dans la vérité du monde dans lequel on vit. Et donc, il aurait bien aimé être là pour dire merci. Non, pour ce rappel tellement clair, compréhensible, c'est une question qui, effectivement, remet en question, si je puis dire, ces affirmations orgueilleuses qui s'affirment partout, qui s'étalent. Vous ne pouvez pas voir une émission à la télévision, à la radio, sur la science, sur sans trouver les inévitables pontifs, n'est-ce pas, qu'ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes. Et tout le monde partage ces préjugés, ces affirmations, ces schémas mentaux. Et c'est tout naturel. Je suis parfois triste de voir que même dans des publications intelligentes ou proches de nous, eh bien, oui, on répète, on imite, on retranscrit tel quel, oui, les millions d'années de ceci ou de cela. Donc, cette question de... Vous avez fort bien montré la différence aussi qu'il y a entre ceux qui font du tort à la vérité en partant de façon immodeste, indiscrète, hein, de la littéralité, la Bible, etc., et qui veulent ensuite faire entrer ça dans leur conception. S'il est vrai que la vérité nous rendra libres, nous avons le sentiment ici de quelque chose qui effectivement nous ouvre et qui ouvre la question, qui fait tomber les difficultés, de celles qu'on nous oppose souvent. Bien, nous avons quelques minutes. Merci d'avoir pas été trop long. Sûrement, il y a aussi des questions, des éclaircissements. Oui, monsieur, bonjour. Je voudrais vous faire... Non, c'est là. Je voudrais vous faire quelques remarques, parce que je suis aussi paléontologiste. Quelque chose qui m'a profondément gêné dans le schéma classique que je connais, j'ai qu'il est posé, je connais les travaux de Guiberto depuis très longtemps, et c'est toujours un problème, ça... face auquel je n'ai pas de réponse satisfaisante. Vous avez fait un schéma qui était très mignon, avec un petit poisson, un petit crabe, et un petit hippocampe au milieu, et puis, bien entendu, quand ça se décale, on constate que si on prend une diagonale quelque part, et bien entendu, le dernier crabe qui est mort et qui se trouve diagénisé, et bien, est contemporain du premier poisson qui est en haut. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Ce qui ne va pas, c'est que vous avez des traces des strates, je dirais, en continuité, qui correspondent à des dépôts, donc, en fait, d'éléments essentiellement de granulochimie différents, qui se sont placés de façon différentielle, selon votre théorie, ce que je conçois parfaitement, mais qui, donc, étant contemporaines, amènent des fossiles qui sont à l'intérieur à vivre dans le même milieu. Je ne vois pas comment vous allez avoir une couche de quelque chose d'aussi simple que de la pierre agave, un calcaire halitotalmé ou un truc de ce genre, avec du gypse au-dessus. C'est totalement incompatible en tant qu'écosystème. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, vous avez expliqué qu'on avait perdu la pendule. Pourtant, dans cette hypothèse, on a quand même des pendules. On a des pendules qui sont les deltas des fleuves. Au moins trois sur lesquels on a des repères possibles, le Nil, l'Amazone, le Pô. On sait que le delta du Nil a avancé d'à peu près 50 km depuis l'époque pharaonique, la fin du premier empire. On sait que, grosso modo, le delta du Pô a pris 30 km depuis l'Empire romain. Donc on a quand même, quelque part, dans cette hypothèse,
chef-là, une datation en vraie grandeur observée sur le terrain pendant un certain nombre. La troisième chose qui, moi, me gêne, c'est que où sont tous les fleuves et tous les déplacements d'eau qui ont permis, par exemple, la succession des couches du bassin parisien qui s'étendent sur 500 km, parce que ces questions-là sont possibles à condition que le dépôt ne soit pas trop grand. Ça, ça me gêne aussi. Pour finir, par contre, pour vous conforter dans cette idée, j'ai amené ici, que je vous montrerai, parce que c'est quand même quelque chose qui, à l'inverse, est très agréable, le dernier bouquin paru cette année de biologie et géologie à l'usage des élèves de terminale, dans lequel je vais vous montrer un modèle qui aujourd'hui est unanimement partout appliqué, qui montre que les terrains sédimentaires ne se déposent qu'en bordure continentale, le long des talus continentaux, et non pas dans les fonds sous-marins, ce qui est enfin définitivement admis, et ça, ça rentre complètement dans cette théorie-là. Il n'y a pas de sédimentologie profonde sur les milliers de kilomètres du fond du Pacifique ou ailleurs. Et ça, c'est une chose importante. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Merci beaucoup. Merci pour ces remarques. Ça amène quand même à certaines réponses, donc, parce que Guy est conscient de ces choses-là, et c'est pour ça que je suis au courant. En ce qui concerne les écosystèmes, vous dites, on ne va pas retrouver ces écosystèmes, la façon dont ils sont mélangés. C'est vrai que l'image que j'ai montrée est gentille. Elle est faite pour être pédagogique, pour comprendre. Et c'est ce que vous avez reconnu. Mais en revanche, dans la dernière publication de Guy, que je vous invite à récupérer sur le site internet sédimentologie.fr, de sa publication en Chine, il dit que c'est à cause des régressions et transgressions, c'est-à-dire l'eau qui vient et qui part, à cause de ça, qu'il y a en fait... on va avoir tous les écosystèmes sur plusieurs centaines de kilomètres qui vont être apportés et qui vont être mélangés. C'est-à-dire que le mélange de fossiles est dû au courant et aussi d'où ils viennent. Et c'est pour ça qu'on va trouver des formations avec des fossiles particuliers, parce que en fait, ils ont été apportés par le courant, et puis ensuite, ils ont été déposés. Ça, c'est pour répondre à votre... Des fossiles uniquement marins. Non. Difficulté. C'est que ce sont des fossiles marins. Mais on ne parle pas de charriage, effectivement, d'éléments assédimentés, que ce soit des cadavres ou que ce soit des grains de sable, parce qu'on compte qu'ils viendraient de l'intérieur d'un continent. C'est ça le problème. Mais même en marin, il y a, tout dépend d'où vient l'eau, il peut y avoir des écosystèmes marins qui sont aussi apportés et remélangés par des courants forts. Il suffit d'imaginer le tsunami... Ça a un peu bouleversé les écosystèmes côtiers qu'il y avait à ce moment-là. Et vu l'importance des courants qui sont constatés dans les roches, donc grâce à notre appareil photo, le fait que ces courants viennent de loin, et d'Alexandre Lalomov, on est à 400 km, ça peut aussi venir du côté marin, c'est-à-dire que c'est pas forcément d'un côté ou de l'autre, mais ce qui explique les fossiles, c'est bien la direction des courants. En ce qui concerne ensuite le fait d'avoir des grands dépôts, vous parlez par exemple du bassin parisien, il serait intéressant, parce qu'il y a le paradigme actuel qui explique comment ça s'est fait, et sur lequel on a construit beaucoup de choses, c'est un peu de vue de l'esprit. La même chose existait pour la péninsule de Crimée, qui avait aussi ses millions d'années et ses allées, revenus, ses temps de sécheresse, ses temps d'inondations. Mais où Alexandre Lalomov a trouvé que non, c'était tout aussi logique, pertinent, voire beaucoup plus, de l'expliquer par des courants forts, importants. Et lui, d'ailleurs, dans sa publication... il ne parle pas... En fait, il parle éventuellement de météorites qui auraient pu tomber dans la mer et créer des tsunamis de plusieurs centaines de mètres de haut.
Voilà, c'est une des hypothèses qu'il lance, parce que en fait, il ne cherche pas la polémique, en disant, on a vu des cratères en Afrique qui faisaient 300 km de diamètre, une roche qui est capable de faire ce cratère et qui tombe dans la mer pourrait créer des dégâts qui sont hors de commun avec ce que l'on a aujourd'hui. Et ce qui pourrait expliquer entre les granuloclastements et tout le reste, parce que là, en fait, on est dans des choses qui arrachent tous les sédiments avant de les redéposer. On peut expliquer les falaises de Douvres et on peut expliquer le bassin parisien aussi. Donc ça, c'est pour la deuxième. Ensuite, en ce qui concerne les bouches des fleuves, où vous dites, là, on a effectivement une montre. Oui, on a encore quelques montres de poche qui restent à droite et à gauche. Oui, mais ce n'est plus la sédimentologie qui est ça. Je veux dire, dans un réservoir, dans un barrage, aussi, si on ne fait rien, on va voir aussi le temps qui passe. Au bout de 100 ans, il va être plein. Donc, il va falloir réagir. Donc, il reste des petites choses, mais ce n'est pas les strates qui l'expliquent. C'est un certain nombre de choses où, effectivement, on peut le voir avancer et on peut s'en servir, mais ça devient très anecdotique par rapport aux strates, tout au moins à toute la formation sédimentaire qui représente les deux tiers des roches sur la Terre. Si les formations comme celle de l'Amazone ou du Nil, sur une surface de 50 ans, sont effectivement repérées d'âge 2 ou 3 000 ans, on a quand même certaines difficultés à faire rentrer tout le reste dans les 3 000 ans précédents pour arriver à la naissance de l'époque. Alors, non. C'est ça que je veux dire. Alors, pas tout à fait, parce que imaginez que dans le Nil, dans la Méditerranée, on ait un météorite, pour reprendre l'exemple, qui tombe et qui crée un tsunami suffisant pour arracher ces 3 000 ans de dépôt. Si on a un tsunami de cette taille-là, ça va arracher tout ça, et ça va le redéposer, ça va le réorganiser. Donc, après, quand vous le regardez, vous allez dire quoi, ça a 3000 ans, 5000 ans, vous n'avez plus, c'est parce que, en fait, votre critère, c'est l'histoire écrite, qui vous permet effectivement de le construire, mais c'est pas la roche, ça va pas forcément dans ce sens-là. Oui, je voudrais ajouter, dans les expériences de Guiberto, il y a des expériences inachevées, dont on n'a pas parlé, parce que c'était pas nécessaire d'en parler, mais si on veut expliquer l'ensemble du procédé, on dit que ce sont les courants qui ont créé les roches sédimentaires. C'est le dépôt, c'est-à-dire les courants, le ralentissement des courants a créé le dépôt des référents de la Terre. Et si on veut expliquer ce qui s'est passé, il faut expliquer d'où ça vient. Donc il faut expliquer comment l'érosion de certaines roches par le courant a pu permettre la mise en branle des alluvions, dont le dépôt, par la suite, a créé les roches actuelles. Et Guiberto a demandé à l'Institut d'hydrogéologie de Saint-Pétersbourg de faire des expériences d'érosion pour mesurer les vitesses de courant nécessaires pour qu'un grès devienne du sable en mouvement. Et alors, ces expériences ont démarré. Elles ont eu l'approbation, d'ailleurs, de l'administration russe, qui n'était pas facile parce que c'est un laboratoire qui dépend de l'armée. Mais elles n'ont pas été jusqu'au bout parce que les vitesses de courant nécessaires pour l'érosion des certaines roches sont telles qu'ils n'ont pas, en fait, les équipements qu'il faudrait. Alors, du coup, ça entraînait des coûts disproportionnés, si vous voulez. Donc, ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais sur le plan intellectuel, il est important de dire que, effectivement, pour modéliser l'ensemble du phénomène, il faut pouvoir modéliser l'érosion, le transport et le dépôt des sédiments. Et à ce moment-là, on aura effectivement un ensemble explicatif complet. Mais même si cet aspect, pour le moment, est encore en suspens, je dirais le grand élément, c'est qu'au lieu, on tombe vraiment dans la... C'est la formule de Leibniz qui disait « ne discutons plus, calculons ». C'est-à-dire qu'au lieu d'en rester à l'interprétation des roches, la géologie classique est une géologie non mathématisée, purement d'interprétation. On voit des choses et on lance des hypothèses, on essaie de comprendre. Et puis finalement, il y a très peu d'hypothèses qui ont passé la barre et puis on reste avec ces hypothèses-là.
Et au lieu d'en rester à l'interprétation, maintenant on en arrive au calcul. C'est-à-dire que je vois en Crimée une certaine taille de roche, eh bien je vais calculer le courant qui a été nécessaire pour transporter ces roches sur 1500 km. Donc c'est ça qui est important, si vous voulez, c'est de voir les développements potentiels qui vont arriver dans la géologie. Mais là, c'est pas à Guiberto de faire ce travail, c'est-à-dire qu'il lance un schéma de pensée, mais qui transforme considérablement la façon dont les géologues doivent concevoir leur activité, et en particulier, on introduit les mathématiques dans un domaine qui en était indemne jusqu'à maintenant. Donc, ce qui est, au fond, intéressant aussi. Et juste pour ajouter un point sur ce qu'a dit Dominique, merci. C'est aussi ce que ça permet, c'est que ça permet non plus à l'académie, à l'université, en fait, de garder ce sujet de la sédimentologie, mais c'est que ça rentre effectivement dans un sujet d'industriel, dans l'exploration minière, parce que vu que c'est un modèle qui est probablement plus proche de la réalité de ce qui s'est passé, ça nous permet en fait de découvrir. Parce que quand on sait lire la photo, donc on a fait les calculs, on a toutes ces équations, on va pouvoir aussi dire, ben là, il pourrait y avoir du charbon, là, il pourrait y avoir du pétrole, là, il pourrait y avoir d'autres choses. Parce qu'on sait où on en est. Et donc, ça devient un sujet d'industriel et d'ingénieur, et non plus un sujet de débat. Et je pense que c'est ça, tout au moins c'est ce que j'espère, peut-être dans une certaine naïveté, je pense que c'est ça qui nous permettra d'aller au-delà du débat de l'évolution, pour aller dans le débat du pragmatisme. Alors, effectivement, là, je voudrais ajouter dans le même esprit, parce que Alexandre Vanovov, dont on a parlé, il est chargé à l'Académie des sciences de Russie des minerais marins. Et parmi les minerais marins qu'on exploite, il y a les nodules. Les nodules qui sont des formes de concrétion, des agglomérations, finalement, de ferro-nickel, de différents minerais. Alors, c'est des minerais relativement faciles à extraire. Si vous voulez pas, si on compare la mine terrestre où il faut creuser, où on a des filons qui sont parfois minces, etc., là, c'est comme si on avait. Il suffit de draguer et on récupère du nickel, du fer, etc., très facilement. Et on a. Alors, évidemment, le problème de l'horloge, les théories. L'académique donne des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, à ces gisements de nodules. Et on a par exemple un nodule de nickel-fer qu'on a trouvé, alors ça c'est dans la Baltique, et au milieu du nodule, il y avait une capsule de bière de marque Korjava, qui est une bière finlandaise. Alors, qui a 3 millions d'années. Le problème suivant, là, est-ce que je dois faire l'hypothèse qu'il y a 500 000 ans, il y avait une civilisation en Finlande, qui justement avait créé la capsule de bière Korjava. Bon, donc vous voyez que là, on voit bien que ne discutons plus, calculons. C'est-à-dire, voyons l'épaisseur du nodule, voyons à quelle profondeur la capsule est, voyons à peu près à quelle époque on a sorti les presses de la capsule, et on va savoir, et on se rend compte que les nodules croissent à une vitesse tout à fait inimaginable. Ce qui est très intéressant sur le plan des perspectives industrielles pour l'humanité. Donc vous voyez que la remise en cause de l'horloge, l'utilisation de l'appareil photo, enfin, ou du pic pour casser les nodules par le géologue, il y a des perspectives très intéressantes qui sont ouvertes à partir du moment où on se débarrasse de la chronologie classique. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chronologie, mais ça veut dire qu'il y a actuellement une prétention à avoir une chronologie de la Terre qui est absolument disproportionnée avec les faits dont on dispose. Monsieur Patissou, après vous. Oui, j'avais une question là sur... Vous ne parlez absolument pas du mécanisme de formation de la roche à partir du dépôt alluvionnaire. Autrement dit, l'expérience de Guiberto se termine avec une solution pulvérulente avec ses strates et qui est en train de sécher. Non. Et ça, c'est pas du grès, c'est pas du granit, c'est pas quelque chose qu'on observe. Donc derrière, il y a un processus de formation de la roche à partir de ces strates qui prend énormément de temps et dont les conditions
de température et de pression nécessaires ne sont peut-être pas toujours très bien connues, je ne sais pas. Donc est-ce que Guiberto s'est intéressé à cela et quel est l'état de l'art à ce sujet? Oui, en fait, il s'est intéressé à ça, notamment lors du séchage des roches, il y a aussi les lignes que l'on voit entre les strates qui se forment, et donc il a fait ça dans des fours, d'après ce que j'ai compris, qui se forment, et donc il y a toute la dissication avec l'eau qui part, et donc ce que l'on voit dans les roches ou les strates, effectivement, on voit bien les frontières entre les strates, vient de l'effet de séchage. Donc c'est quelque chose qu'il a effectivement étudié. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, au moins à partir d'un exemple, en fonction de quel facteur physique se fait cette stratification? Est-ce que c'est uniquement la granulométrie ou l'intensité, ou, par exemple, dans la petite vidéo du Colorado, où on voit des strates blanches et des strates noires, en quelle matière, ou quelle est la différence physique entre ces matériaux? D'accord. Alors, en fait, ça, c'était des différences de taille, de taille de particules, et donc de granulométrie. Est-ce clairement. Que c'est le seul facteur qui explique les... Non, il y a force. En fait, il y a la granulométrie par rapport, effectivement, à tous les courants. Donc, les courants sont extrêmement importants. Il y a aussi la profondeur qui va rentrer. Il va aussi y avoir de la chimie qui va rentrer, notamment au niveau des calcaires. Donc, il y a tout un ensemble de choses. Et sur le site Internet, vous verrez un certain nombre de publications, mais notamment les travaux les calculs donc, qui viennent de Pierre Julien, qui viennent d'Einstein, qui viennent de Hallström et qui montrent les relations entre profondeur, courant, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est tout à fait modélisable. Et dans la publication d'Alexandre Lalomov, il a pris en compte ces différentes choses. Et d'ailleurs, il y a des équations qui sont relativement complexes, voire pour moi beaucoup trop complexes, et qui montrent, en fait, justement, le calculons maintenant. Il y a beaucoup d'équations qui existent pour faire ça. Il y a des strates plus anciennes qui demandaient la parole. Ça n'a rien à voir. Le port de Nantes est handicapé par son éloignement de la mer. Et Napoléon s'en est aperçu et il a donc décidé de créer un port à Saint-Nazaire. Et en creusant les bassins du port de Saint-Nazaire, les bassins très profonds, on a trouvé des lignes, des strates, hein, qui sont espacées de 3 mm 2. C'est curieux, c'est une mesure anglaise peut-être. Et les historiens locaux en ont déduit que c'était un chronomètre historique. Et là, effectivement, en creusant, on a d'abord trouvé rien du tout. Et puis, à un moment donné, on a trouvé, c'était à la période des invasions, hein, on a trouvé des vases contenant de la monnaie, et on a pu dater certains de ces vases par des pièces qui étaient frappées à l'effigie d'un César bordelais, qui est bien connu. Et puis après, en creusant encore plus profond, on n'a rien trouvé du tout, jusqu'à un moment où ils ont déniché une hache en pierre polie, emmanchée d'un bois de frêne. Cette hache a été exposée au musée d'Aubray à Nantes, mais quelqu'un l'a piquée, l'a chouravée. Elle a disparu. Alors, je ne sais pas si, effectivement, ce que disent ces historiens locaux, c'est bien un chronomètre ou pas. Non, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un chronomètre lorsqu'on est à 3,2 mm. Là, on est plutôt face à un phénomène physico-chimique de déposition de sédiments. Il a dû avoir un apport de sédiments. Et c'est ce que l'on va voir dans beaucoup de formations rocheuses où on a justement beaucoup de microstrates. Ça, c'est une bonne indication du type de courant qu'il y avait à ce moment-là. Et c'est ça. Ça va nous indiquer le type de courant. Ça ne va pas nous indiquer un chronomètre. Mais ensuite que... il puisse y avoir des dépôts et d'autres dépôts par-dessus, parce qu'il y a eu d'autres courants qui sont arrivés, surtout près d'un fleuve, c'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas les strates qui vont nous donner une idée de l'âge,
ça va être la hache, ça va être les pièces, etc. Et ce n'est pas les roches qui vont nous donner quelque indication que ce soit. Oui, je voulais vous demander, parce que justement, je vais simplifier, si vous voulez. Pour moi, il y aurait deux formes de stratification. La stratification ordinaire de tout ce qui tombe aujourd'hui, demain, etc. Les fleuves, et puis le catastrophisme, qui amène justement des courants tout à fait spéciaux, comme le Mont-Saint-Hélène. Donc on a forcément deux formes de stratification. En fait, même la, disons, c'est une bonne façon de séparer les choses. Donc déjà, on rejette l'uniformitarisme que l'on voit. Mais même dans la stratification commune que l'on voit aujourd'hui, elle a toujours lieu dans un courant. Et donc, en fait, ce qu'elle nous donne, cette stratification commune, c'est quel est l'état du courant, grosso modo. Mais on a un appareil photo à nouveau, voire une petite vidéo dans ce cas-là, si on est au fond d'un fleuve et le temps qui passe, on a une vidéo de quels étaient le type de courant. Mais on n'a aucune information de temps qui est inclus dans la roche. Si on a d'autres choses pour mesurer, on va dire effectivement, il y a eu un ensemble de strates qui s'est produit dans l'année au fond d'un barrage, par exemple. Mais c'est nous qui allons le mesurer a posteriori, c'est pas la roche qui va nous donner cette information. Et ça, c'est ce qui est fondamental dans l'information, dans les travaux de Ghiberto, c'est le concept de temps est parti. Alors c'est vrai qu'en voyant les photos, il y en a, on va dire, bon, ça c'était du normal, du classique, et d'autres, c'était du catastrophisme. Surtout si on trouve des roches énormes à l'intérieur de formations. Je voulais vous demander aussi si on est toujours en retard, nous en France, par rapport aux États-Unis et à la Russie, où Ghiberto est beaucoup plus écouté que apparemment chez nous. Est-ce que ça s'améliore? En fait, il y a peut-être des idéologies qui sont assez fortes en France et qui continuent. Des sédiments d'idéologie durcis. Seulement un bref commentaire sur la discussion des termes créationniste et évolutionniste, ce que tu as commencé. Moi, je crois qu'il n'y a pas de scientifique qui commence ses recherches sans déjà avoir une opinion par rapport à l'évolution ou à la création. Comme ça, je crois qu'il faut avouer ça. Il faut dire, oui, je suis créationniste, je suis évolutionniste, mais cela ne doit rien dire sur la qualité des recherches. Ça veut dire, je crois que Ghiberto, avant qu'il a fait ses recherches, a déjà été créationniste. En fait, aux États-Unis, un créationniste, quelqu'un qui dit « je suis créationniste », il suffit de lire les documents qu'ils font. Ils disent « la Bible dit que, je demande que, donc la Bible a raison ». C'est-à-dire que c'est un raisonnement qui part de la Bible et qui revient de la Bible. Or, si vous prenez un document d'un évolutionniste, il va dire « j'ai fait telle expérience », etc. C'est-à-dire, c'est pas le fait de pas avoir d'hypothèse au début, de pas avoir une réflexion, de pas avoir cette ouverture d'esprit. Et je pense que quand on accepte qu'il y a des lois dans la science, quand on accepte qu'il y a une vérité dans la science, parce qu'il y a une téléologie dans la science, parce qu'en fait Dieu a créé le monde, ça nous permet d'être plus objectifs. Et donc, ça nous ouvre des pans de recherche qui existent, parce que l'évolutionniste, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une hypothèse qu'il rejette. Il dit il ne peut pas y avoir d'objectif dans la nature. Il ne peut pas y avoir d'objectif dans le monde. Parce qu'en fait, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de téléologie là-dedans. Et donc, il va le rejeter et il ne s'intéresse pas à la réalité de ce qui s'est passé. Parce qu'au fond, ce n'est pas est-ce que mon modèle est plus puissant que le tien, etc. C'est plutôt, au fond, donc, est-ce que le monde a été créé il n'y a pas longtemps? Et enfin, en fait, c'est un fait. C'est un fait historique qui n'a pas été écrit par, on va dire, quelqu'un de visu. Mais c'est néanmoins un fait historique. La grande difficulté du mot créationniste, tel qu'il est utilisé aux États-Unis aujourd'hui, c'est que le créationniste dit « je pars de la Bible ». Et c'est un outil d'apologétique. Et c'est pour ça que je dis « attention aux mots ».
d'accord qu'il n'est pas possible de dire « je suis créationniste ». C'est impossible parce qu'immédiatement, on est attaqué. Mais je propose de ne pas dire « je ne suis pas créationniste ». Parce que moi, je suis créationniste selon la définition. Si on lit dans Wikipédia qu'est-ce que c'est un créationniste, c'est quelqu'un qui croit que Dieu a créé tout ça. Et quelqu'un qui croit que c'était l'évolution, c'est un évolutionniste. Comme ça, je suis créationniste catholique. Mais je crois que l'évolutionniste est capable de juger ouvertement entre les faits réels. Et aussi, le créationniste est capable de cela. Il n'y a pas de raison de dire qu'ils ont des préjugés qui les excluent de toute objectivité. Et aussi, concernant le sens littéral de l'écriture, moi aussi, je crois que le monde comme saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, saint Augustin, n'a été créé en moins que maximum 6 jours naturels. Mais ça n'a rien à faire avec la qualité des recherches. Alors là, en fait, de rentrer dans ce débat justement sur la définition des 6 jours, etc., contrairement aux protestants, on a l'avantage d'avoir la tradition de l'Église, l'enseignement. Et dans la tradition de l'Église, c'est un débat qui est encore ouvert. Les 6 jours, est-ce que c'est un jour naturel? Comment est-ce qu'on mesure le temps alors que le monde n'a pas encore été terminé de créer, etc. C'est-à-dire que le débat existe. Et donc, aujourd'hui, si on fait de la science, et si Guy dit « je suis en train de regarder les roches et je vois si on peut en sortir une question de temps ou pas », s'il se lance dans le débat théologique, qui est très intéressant, et je vous invite à lire le site catholicorigins.org. Alors, il est en anglais aussi, mais c'est catholique origine, avec un S, .org, où effectivement, il y a toute une étude sur la notion de temps, de création et de temps. Et ça, c'est un sujet théologique fondamental sur lequel l'Église a perdu un petit peu, peut-être, le sens des priorités sur ces sujets-là, qui sont quand même fondamentaux à notre compréhension du monde où on est. Mais aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui va venir dans notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Je ne dis pas au XVIIe ou au XVIIIe siècle où on pouvait dire « parce que je crois en Dieu, je crois dans l'ordre dans le monde ». Et donc à ce moment-là, effectivement, je peux le dire. Aujourd'hui, vous dites « je suis catholique, je suis musulman ». On dit « mais qu'est-ce que vous faites dans un laboratoire ?» C'est aujourd'hui même catholique, même pas créationniste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit « on regarde les faits ». Eh bien, ça nous va très, disons, je dirais, ça nous va très bien, les faits. Parce que c'est les évolutionnistes qui ne regardent plus les faits. Donc, en fait, on est de toute façon en avance là-dessus. Donc, de dire on est créationniste, c'est prendre un risque qu'on ne soit plus écouté. Voilà, dans le monde d'aujourd'hui. Bien, il nous faut achever ce débat parce que le prochain... Il y avait une dernière question, je ne sais pas une si dernière madame... question. Oui, dans la ligne de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il n'y a pas une hypothèse à rajouter aussi? C'est la difficulté qui tient peut-être à ce que, après le péché originel, avec le péché originel, il se peut que nous soyons rentrés, que le monde soit rentré dans un temps qui n'était pas pertinent à ce qui prépare, à ce qui était, si on peut dire, avant le péché originel. Il y a des, on peut aussi se poser cette question, puisque tout a été bouleversé. Et que, il y a aussi l'action des bons anges et des mauvais anges, les anges ayant la mission de préparer l'univers matériel, dans une hypothèse qu'on peut avoir, que l'Église permet, pour la venue de l'homme, justement, et de servir aussi cette création de l'homme, ce qu'ils ont refusé, certains, par orgueil d'être purement spirituels contre le projet de créature à la fois matérielle et spirituelle. Donc tout ça a pu être complètement modifié par le... La catastrophe originelle. En fait, oui, ça dépasse la présentation sur Guiberteux et la sédimentologie, et de loin d'ailleurs.
Je pense que ce que l'on peut dire là-dessus, c'est que ça devient une réflexion théologique. Et il faut bien savoir dans quel monde on est en train de s'exprimer pour s'exprimer aussi avec le vocabulaire de ce monde-là. Oui. Voilà. Merci.